Qu'est-ce qu'il était chiant ce cours avec Monsieur Walker. Ouais, mais ça vaut pas Madame Danielle, ça le sonne à tout le monde. Ouais, t'as trop raison quoi. Oh là là, je suis fatigué, on peut pas s'arrêter là. Mais on n'est plus qu'à 6 heures du rocher de l'Aigle Indien. Ouais, mais en même temps, on est fatigué, ça fera bien avancer le scénario. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Je comprends. Dites, c'est bon, on a compris, c'est la nuit, là. Je suis sûre que j'ai un sein plus gros que l'autre. Oui, mais toi, au moins, t'as pas des épaules de camionneur. Dites, vous trouvez pas que les dialogues, ils sont un peu sexistes? Bah oui. Mais on est des filles. Ça doit être les garçons qui nous font une blague. Venez, on va leur faire une surprise. Eh mais, attendez-moi. Là, j'ai mis du GHB dans son verre. Et t'as essayé le dialogue? Ah, mais c'est Noël! Ça va, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre dehors! C'est un zombie! Un quoi? Un quoi? Un quoi? Un quoi? Mais pourquoi dans les films de zombies, personne sait que c'est un zombie? C'est connu quand même! Peu importe! Ça doit être un passant, mais pour être sûr. Waouh! Tu es si prévenant. Tant qu'on est dans la tente, il ne peut pas nous attaquer. Ah. Je vais sortir le fer à la peau. Que Bouddha nous vienne en aide. Oui, alors on a choisi Bouddha hein, pour ménager un petit peu les susceptibilités. On sait combien aujourd'hui c'est risqué de parler de religion et... On va manger nos potes. Oui, ouais. Oh non, j'ai tué un être humain. Ne t'en fais pas. Elle était belle et intelligente. Elle méritait de mourir dans un sens. Je t'aime, fille numéro 1. Moi aussi. Même si je préfère un garçon numéro 2. Parce qu'il était plus intelligent. Et plus athlétique.